Chers abonnés, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et c'est une chaîne, comme une chaîne de télévision. Et par moment, il faut communiquer avec vous. D'ailleurs, notre slogan, c'est Rotralid informe, Rotralid forme et Rotralid coach pour les métiers du web. J'interviens ici parce que par moment, il y a des incompréhensions sur mes vidéos. Dans les commentaires de mes vidéos, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas le but de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube n'a pas été créée pour un business. Cette chaîne YouTube a été créée par moi-même pour que des gens puissent apprendre des métiers. J'ai été à l'école, j'ai eu des diplômes, mais mes diplômes ne m'ont pas permis de vivre comme l'Internet m'en a permis. Grâce à l'Internet, j'ai exercé des métiers qui m'ont permis d'avoir quand même des revenus mensuels. J'ai donc décidé depuis quelques années de mettre sur pied une chaîne YouTube pour me permettre de communiquer, de témoigner et d'aider des gens à pouvoir aussi se créer des revenus s'ils n'ont pas de boulot ou ils ne sont pas employés dans des entreprises. Ou même s'ils sont employés dans des entreprises, que grâce à l'Internet, ils puissent créer une deuxième source de revenus. Cela passe par l'information, cela passe par la formation, cela passe par l'encadrement ou le coaching. D'où les trois choses importantes de notre chaîne, information, formation et coaching. Lorsque j'ai découvert qu'une entreprise du nom de Crowan pouvait permettre à des gens de gagner de l'argent, j'ai commencé à multiplier des vidéos sur Crowan. Mais ce n'est pas Crowan qui m'intéresse le plus, c'est la filiation qui est un métier qui intéresse le plus ma chaîne YouTube. Et bien évidemment, avant Crowan, nous mentionnions dans notre avant-propos de cette chaîne, que cette chaîne est là pour aider les gens à maîtriser les métiers d'affiliation, les métiers de e-commerce, celui de la spéculation et du marketing de réseau. D'ailleurs, à partir du mois de ce mois de janvier, du 12 janvier, le mardi 12 janvier prochain, nous commençons notre formation en salle et sur Zoom pour les étudiants qui ont déjà payé leur formation. J'interviens ici pour faire comprendre que ma chaîne YouTube ou mes vidéos ne sont pas créées pour une entreprise, quelle que soit sa rentabilité. Et donc, ceux qui croyaient que Lambert Poissy est là pour une entreprise précise, détrompez-vous. Je n'ai pas été à l'école pour une entreprise précise. J'ai été à l'école pour apprendre des métiers. Et en tant que technico-commercial, je me rends compte que je peux exercer mon métier sur Internet. Et que quand je l'exerce sur Internet, je suis mieux payé que quand je l'exerce dans des entreprises privées. C'est ainsi que depuis quelques années, moi-même, j'ai expérimenté des systèmes. Et aujourd'hui, j'ai tiré les leçons de ces systèmes, de ces méthodes, de ces métiers. Et je veux donc en faire une formation pour aider la population africaine en majorité. D'où la nécessité de mettre sur pied une formation, des vidéos, etc. Ces métiers, on les apprend. Et quand on les apprend, il faut les pratiquer. La pratique fera appel à un business. Par exemple, je peux apprendre le marketing de réseau et l'exercer dans une entreprise comme Forever Living Product, comme Jeunesse Globale, comme Super Life, qui sont des compagnies de quoi? De marketing de réseau. Je peux apprendre à mes étudiants le marketing d'affiliation et l'appliquer dans une entreprise quelconque. Ça peut être une entreprise ou une deuxième entreprise. Mais le métier est appris et on l'applique dans une entreprise bien précise. D'où la production des vidéos sur Crowan, sur d'autres entreprises, d'affiliation.
Je peux enseigner les gens sur la spéculation, qui consiste à acheter quelque chose, attendre que ces choses prennent la valeur et vendre. Aujourd'hui, sur Internet, il est manifeste qu'on achète des actifs, on peut acheter des actifs numériques qui prennent la valeur, tels que le Bitcoin, et plus tard, on le vend. Certains ne savent pas le faire, mais il existe des professionnels qui mettent sur pied des entreprises via lesquelles ces professionnels-là spéculent avec la crypto-monnaie. Et si ces compagnies font des appels de fonds pour que vous les aidez à spéculer avec votre argent converti en crypto-monnaie, ces compagnies-là vous apportent des retours sur investissement. Par conséquent, lorsque j'apprends aux gens ce que c'est que la spéculation dans ma formation, il va falloir bien que je trouve une entreprise qui fait de la spéculation, qui est crédible ou en tout cas qui pratique. Je pratique, je ne connais pas l'avenir de telle ou telle entreprise qui fait de la spéculation. Que d'autres appellent entreprise d'investissement, que sais-je. Mais l'essentiel, c'est qu'il existe des entreprises qui font de la spéculation. Elles achètent quelque chose, ça prend de la valeur, elles vendent. D'autres parleront de trading. Mais c'est de la spéculation. Et donc, il va falloir que lorsque je forme mes étudiants à exercer le métier de spéculation, il va falloir quand même que je leur trouve une entreprise dans laquelle ils peuvent tester, ils peuvent essayer comment ça marche, ou avoir bien sûr un back-office pour savoir comment ça se passe. Il y a, comme on appelle l'autre côté, qu'on appelle le e-commerce, il y a des endroits de e-commerce. Moi-même, j'ai mis sur pied ma boutique de e-commerce en place. C'est tout ça que je vais apprendre aux gens. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, je tiens à vous remercier. Mais je suis là pour vous apporter de la valeur. Si à un moment, vous estimez que ce que je vous apporte comme valeur, vous croyez que c'est seulement pour votre entreprise que je fais cela, vous vous trompez. Je ne suis pas là pour un business. Que cela rentre dans l'esprit de ceux qui se plaignent de ce qu'ils me voyaient faire des vidéos sur CrowdOne et que maintenant, ils font des vidéos sur d'autres business. Je ne suis pas payé par la compagnie CrowdOne. Je suis payé pour le travail que je fais à CrowdOne. Si je ne fais rien, CrowdOne ne me paye rien. CrowdOne ne me paye pas pour mes vidéos. Vous comprenez? Mais tant que je sais, tant que je peux appliquer l'affiliation à CrowdOne, je peux parler de CrowdOne. Tant que mes étudiants qui apprennent l'affiliation peuvent utiliser une compagnie d'affiliation pour se faire de l'argent et que cette compagnie reste rentable, transparente et crédible, selon leur choix, ces étudiants peuvent appliquer cela. J'ai mis sur pied cette formation pour deux raisons. La première raison, c'est ce que je viens de vous donner, ça crée des emplois. La deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui sont en fait des business ne s'en sortent pas parce qu'ils ne connaissent pas les bases, les fondamentaux, les B.A.B.A. D'autres sautent sur des business depuis des années, ils sont toujours pauvres, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quel est ce type de... Ce business appartient à quel type de métier? Lorsque moi, je rentre dans CrowdOne, alors que beaucoup de personnes parlaient de action, j'étais le premier leader ivoirien, même européen, dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe, qui a commencé à dire à tout le monde, attention, c'est de l'affiliation. Aucune vidéo ne nous a dit que c'est de l'affiliation. Aucune vidéo, ni venant de CrowdOne, ni venant de qui que ce soit, ne nous a informé que CrowdOne était du marketing d'affiliation. Mais c'est parce que dans le passé, j'ai appris le métier d'affiliation que lorsque j'ai vu le concept de CrowdOne, j'ai su que c'était de l'affiliation. Et dès lors que je sais que c'est de l'affiliation, la manière de faire cette affaire, ça change. Comprenez? Et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de personnes, ne sachant pas que CrowdOne était de l'affiliation, ont dépensé de l'argent. Que s'ils avaient su que c'était ça, n'allaient pas dépasser somme d'argent.
Disons-nous la vérité, les gars. Donc, s'il vous plaît, j'allais dire, laissez-moi en paix pour faire mon travail. Laissez-moi en paix. Ça, c'est à l'endroit de ceux qui se plaignent comme si je suis leur employé en mettant sur pied ma chaîne YouTube. Je n'ai pas mis ma chaîne YouTube en place pour un business. Les business passeront. Et les business passent. Et j'ai compris que la chose la plus importante pour chaque individu, pour chacun de vous, pour vous qui m'écoutez, c'est de maîtriser le métier. Si vous maîtrisez le métier, qu'une entreprise, quelle que soit ce qu'elle est, elle peut demeurer année sur année, Dieu merci. Si elle ne demeure pas année sur année, qu'elle ne fait pas votre affaire, et qu'on a pris ce métier d'affiliation pour l'exercer avec une autre entreprise, n'est-ce pas? Et si vous vous rendez compte que l'affiliation ne marche pas pour vous, que vous croyez que la spéculation peut marcher pour vous, et vous pouvez faire la spéculation. Donc, la deuxième raison, c'est qu'on a mis sur pied cette formation et cette chaîne YouTube pour que justement, s'il y a des gens qui veulent apprendre d'abord les métiers avant de les exercer dans une entreprise de business en ligne, puissent les exercer. C'est notre droit. Autre raison que j'allais oublier, c'est que, mesdames et messieurs, nous sommes nombreux sur la Terre, le globe terrestre. Pendant que toi, tu es passionné pour ton entreprise de marketing, d'affiliation, il y a des gens, c'est le dernier de leurs soucis. Ça ne leur dit absolument rien. Ton entreprise de l'affiliation ne leur dit rien. Or, moi, je veux servir tout le monde. Je vais servir des gens qui aiment la spéculation. Je vais servir des gens qui aiment l'affiliation. Je vais servir des gens qui n'aiment rien de tout ce qui est sur Internet, mais qui aiment les affaires de marketing de réseau. Je vais être utile à ces personnes. Je vais être utile à ceux qui aiment le e-commerce. Maintenant, quel est votre souci? Collez-moi la paix. Hein? Je ne suis pas votre employé. Si vous êtes venu sur ma chaîne YouTube pour vous abonner, ça, c'est l'endroit, pas l'endroit de tous les membres. Mais à ces quelques personnes qui viennent sur ma chaîne YouTube pour se plaindre de ce que moi, j'ai fait des vidéos sur une entreprise et que maintenant, je fais des vidéos sur une autre entreprise. Suis-je votre employé? Suis-je payé pour passer ces entreprises? Je suis payé pour le travail que je fais, c'est de gagnant-gagnant. Je leur apporte des clients, elles me payent. Je ne leur apporte pas de clients, elles ne me payent point. N'est-ce pas? Maintenant, je suis un homme d'affaires. Je suis un commercial. Je suis devenu quelqu'un qui coach, qui forme les gens. Quand je forme les gens, il y a des gens qui vont me dire, monsieur Kouassi, moi, ton affaire d'affiliation ne m'intéresse point. Je veux faire de la spéculation. Vous voulez que je rejette mon étudiant pour ça? Parce qu'il fait de la spéculation? Et lui, il aime la spéculation. Il faudrait quand même que je crée des vidéos pour l'aider à comprendre la spéculation. D'autres me diront que, monsieur Kouassi, moi, la spéculation, mettre de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux faire de l'affiliation. Oui, Lambert Kouassi, mon cabinet aussi est ouvert pour ces personnes-là aussi également. Pourquoi vous voulez que je reste renfermé? Moi, je suis open pour toute personne ambitieuse qui a envie d'apprendre et l'affiliation et le e-commerce et la spéculation ou le trading ou le MLM ou bien le faire via des compagnies se faire de l'argent. Voilà ce que est Lambert Kouassi. Vous comprenez? Je vous souhaite un bon succès durant l'année 2021. Et notez une chose. La première richesse, c'est la connaissance. La deuxième richesse, c'est l'ouverture d'esprit. Votre esprit est comme le parapluie. Le parapluie ne peut servir que lorsqu'il est ouvert. Si vous êtes fermé, la médiocrité. Prenez garde. À la prochaine vidéo. Merci.